Ok tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Vortex. Vortex Boost à la base, le Boost 4.2. Donc de base, il est chaussé en moteur charbon avec un espèce de variateur contrôleur qui fait récepteur en même temps, Spectrum et un servo Spectrum. Donc cette fois-ci, une fois que tout m'a lâché, il en avait commencé par le moteur qui m'avait lâché. Le récepteur qui m'a lâché, et du coup, maintenant c'était le cerveau qui m'a lâché, tu vois. Ce truc là, plastique machin là, Horizon Hobby, c'est écrit dessus. Et ben, c'est pas terrible, donc on a tout changé. Donc là, cette fois, je sais pas si tu vois bien la lumière, elle est pas dans le bon sens, les gars. Ouh. Ok, là on a mis du gros. Là, on est sur le S-Run 3660 G2 4600 kV. On a mis un variateur Surpass Hobby qui prend jusqu'à 6S 150 ampères. Tu vois, il passe, il est bien mis ici là. Hein, on est bien. Et on a mis un servo JX 20 kg, je crois, 20 ou 25 kg. Attends, je te dis ça tout de suite. Ouais, bon, je te dis ça. C'est un. Ils sont là les specs. Hop. 20 kg sous 6 volts, 17 kg sous 4 volts, 4 volts 8, 17 kg. Ok, on est pas mal, hein? Donc, on va aller tester ça en 2S, bien sûr, parce que ce moteur il prend que 2S, 4600 kV, c'est quand même gros. Module toujours le même que celui d'origine, donc on est en module 48 dp. Là-dessus. Et puis voilà, tu vois, petite bébête qui devrait bien marcher cette fois, j'espère. Dessus, on a cette radio, la FlySky GT5 qui va bien. Donc c'est parti, let's go. Alors, ce Vortex, il marche en 36-60. Ouais. Vache. Il marche même très très fort. Waouh. Ça va, c'est un truc qui ça autorise un petit peu les erreurs. T'as vu ça comment il marche ce truc? Le frein il est pas trop puissant, il est bien. Rouler tout cool avec, voilà. Vraiment on peut rouler cool et on peut s'exciter sur la gâchette, tout ce qu'on aime. Ouais, ça marche. Ça marche même bien, très très bien même. Le servo JX là, 20 kg, on a enfin un servo digne de ce nom sur cette machine. Là on est bien. Là on est vraiment bien. Ah. Là on est bien. Espérons que ça tienne. Je pense que là, la seule chose qui peut me lâcher maintenant, c'est la transmission. Les pneus sont top parce qu'ils ballonnent pas beaucoup ceux-là.
Et même à haute vitesse, on reste vraiment stable. Donc pour les sauts, c'est pas ouf, mais de toute façon, ça c'est celle de Léo. Il va pas faire vraiment des gros sauts avec. Il va surtout la faire déraper. Donc on a des pneus qui sont relativement durs, qui vont pas s'user trop vite. Et ça, c'est ce qu'on veut. On n'irait pas un petit peu dans l'herbe là-bas derrière. Là, les graviers, on va s'en coller partout. Et franchement, par contre, ça marche. Hein. On est en 2S, les amis. Il y a des coups avec la 38. Il faut éviter les marches arrière, marches avant trop sec. Parce qu'il y a le slipper là-dessus. Il va pas aimer. Hein. C'est pas le slipper du 3S. Le slipper du boost. Slipper de base. C'est lui qui siffle un peu d'ailleurs. J'ai pas réglé du tout les trims. La tendance à aller un petit peu. La tendance à aller un petit peu à droite. On va se régler un petit peu le trim. Ouais, je suis à 0. Si je rajoute 5 à droite, ça donne quoi? Ça n'a rien changé. Je tire toujours un petit peu à droite. Alors, supprime. Ok, on va mettre 15. 20, voire. Ah bah c'est pire, donc c'est dans l'autre sens. Ok. Supprime. Merci, hein. Dans l'autre sens, donc on va mettre moins 5. Hop. Ouais, c'est mieux. Un tout petit peu plus et on sera bien. Hop. 10. Hop, hop. Pas mal. On va aller voir un petit peu par là. Ah ouais, pas mal du tout cette histoire là. Même très très bien cette histoire. Aberrant, non? Moi ça. Pouah. Excellent. Ah, un peu moins excellent. Alors, si tu fais sur le toit, ça c'est hors de pilotage, hein, parce que vraiment il est facile. Je viens de piloter le squash van Tamiya. Et je peux vous dire que c'est pas du tout la même ambiance. Bon, on a même un petit ventilo pour refroidir le moteur, ça mis ce doigt. Le slipper il va pas faire non plus. Allez, reviens. Entre les jambes, c'est bon ou pas? Excellent. Excellent ce petit truc. Donc Vortex Boost,
C'est une machine qui vaut 220 euros, je crois. Qui valait, je sais pas si ça existe encore. Chez Arma, ils aiment bien vite arrêter leur modèle. Donc c'est à la base un 4-2 charbon. Là, on est en brushless. 3660, 4200 kV. Et on a mis le kit 4x4. Donc là, on est en 4x4. Le slipper, il est d'origine. On est en module 48 DP. On verra ce que ça tient. Et puis ben on est en 2S. Et regarde comment ça marche. De toute façon, ce moteur, c'est une folie. Je l'avais mis sur mon Obao 10SC. C'était déjà une folie. Il est vraiment ouf, ce moteur. Et elle est facile, la machine, t'as vu ça un peu? Elle est facile. Ah ouais. Alors c'est pas fait pour faire du saut, mais là pour faire ça là, on est bien. Herbe courte, prairie, des petits sauts faciles comme ça, un peu de terre, un peu de multi-surface. Regarde, les suspensions travaillent plutôt bien. Tout est d'origine, hein, on n'a rien touché du tout. L'autonomie, ça a l'air pas mal. On est à combien là? On est à 10 minutes de vidéo, donc 10 minutes d'autonomie. Et on a mis une 2S5000, donc c'est pas trop lourd. Et je sais même pas si je l'ai chargé à fond. Je crois que non, elle était pas chargée à fond. Il y a un petit vent. Le moteur, il fait bien le taf. Le sauve-cerveau d'origine, ça va, ça se passe. Il y a un ventilo sur le moteur, donc... pas trop de galère, il va pas chauffer. Hein. Ouais, non, il chauffe pas. Il chauffe pas le machin. On est bien. Donc, je vais arrêter là, c'est juste pour l'essayer. On est haut. Donc le cerveau, tu vois, il est pas peut-être plus rapide. J'ai 20 kg là, le cerveau à 15 balles, sur Ali Express. C'est pas ce qu'on a de plus rapide, mais c'est un cerveau qui est assez puissant pour ce genre de machine, et franchement, j'en ai utilisé sur plein d'autres de mes machines, j'ai jamais eu de galère avec. Pour le prix, c'est merveilleux. Maman, la machine, elle est belle. On se fait plaisir. On ramasse les crottes sûrement en plus. C'est beau hein. Donc là, prochaine étape, je pense qu'on va devoir y passer, c'est la transmission. On met le slipper, slipper du 3S. On l'entend siffler hein, le slipper. Hein. Hop, allez, je vais ça dessus les amis, je veux pas l'abîmer, je vais le rentrer avant de l'abîmer, faut que Léo puisse l'utiliser calmement, je vais voir si je peux lui brider sur la radio, pour être tranquille, ok. On part bientôt en vacances, j'aurais voulu qu'il l'emmène, donc ça aurait été bien qu'il fonctionne correctement, ok. Donc je vous laisse là dessus, il est très sympa, hein, vous l'avez vu, franchement, au top. Allez, je te laisse. Tu me mets le petit pouce s'il te plaît. Allez, ciao.